Bonjour, bonjour, bienvenue dans la cuisine de Maggie officielle. Comment ça va? Ça va bien. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez tous bien. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous ramène des sardines aujourd'hui. Donc, les sardines, là, je les ai achetées au marché des Noisiels. Voilà toutes ces sardines-là. Je viens à la maison, j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé des têtes, j'ai bien nettoyé, je l'ai égoutté, voilà, il n'y a plus d'eau, je l'ai égoutté, bien nettoyé, j'ai enlevé la tête et je l'ai assaisonné avec cette épice Mix Wok, épice pour la viande, mais moi j'ai mis ça dans le sardine. J'ai assaisonné avec cette épice. Je vous le montre bien. Voilà. Prenez ça en photo. Hein. Je vous les laisse comme ça. Prenez en photo pour assaisonner vos sardines. Et là, je vais mettre de la farine, saupoudrer de la farine pour commencer à faire mes sardines. Là, je vais bien mélanger et à tout à l'heure. Vous voyez toutes ces sardines-là au marché des Noisiels. Allez tous les mercredis après-midi et tous les vendredis après-midi et dimanche avant-midi. Toutes ces sardines-là, je ne sais pas si ça fait 2 kilos ou quoi. Tout ça à 5 euros. À 5 euros. 5 euros, la fin du marché, c'est très bien. À 5 euros, je vais vous montrer la fin. Vraiment, abonnez-vous massivement. Likez et partagez pour bien manger dans la cuisine des Maggie officielle. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dans la sauce là, j'ai mis l'oignon, j'ai mis oignon, gingembre, oignon feuille. Donc, oignon, gingembre, oignon feuille, poivron rouge et feuille laurier et tomate, tomate pelée. Je vais bien faire cuire au moins 5 minutes. Après, je vais ajouter du riz. Voilà, bienvenue dans la cuisine de ma vie. Ça, je fais la sauce pour le riz. Désolé, je ne vais pas montrer les ingrédients. Donc, les ingrédients, il est oignon jaune, oignon feuille, gingembre et tomate. Tomate fraîche. Voilà, tomate fraîche, oignon, gingembre, je l'ai mixé et le poivron rouge, je l'ai mixé, je vais laisser bien cuire, mijoter au moins 5 minutes en remuant. Après, je vais ajouter du riz balsamique. Là, je vais ajouter du riz balsamique bien séché. Hein. Je l'ai lavé, bien lavé et j'ai séché. Voilà, puis j'ajoute le maïs. J'avais mis dans ma sauce, j'avais mis les feuilles laurier. Le maïs, c'est ça. Voilà, j'ai mis le bio. Voilà. Après, j'ajoute du sel. Et je vais bien les tourner, bien les mélanger. Après, je vais ajouter, comme j'ai mis un verre de riz, je vais ajouter aussi un verre de l'eau chaude. Là, je vais tourner. Le riz est bien tourné. J'ajoute de l'eau. Voilà, il y a le feuille laurier. Et bien tourné. Et bien couvert. Là, je vais mettre le feu doux pendant 25 minutes. Je vais mettre le feu doux pendant 25 minutes. Le feu doux. Voilà la quantité d'eau. Voilà. La sauce devait être bien cuite. Voilà, potager. On vient chercher un peu de potager. C'est de la céleri d'Afrique. Ça sent tellement bon cette céleri. C'est les potagers. Dans la cuisine de Maggie officielle, il y a toujours des surprises. Et là, ce céleri commence à pousser. Voilà, on vient chercher un peu de feuilles là. On va couper lesquels. On coupe celui-là. Voilà. On les coupe. On prend celui-là. Voilà. On va utiliser comme du persil.
Voilà notre sardine, comment ça fait tourner la vie. Après, je le passe à l'épargne, dans le passoir, pour qu'on puisse se goûter. C'est fini, regardez notre riz. Ça, un repas pour un week-end, c'est délicieux. Hein? C'est délicieux. Alors, je vous salue tout au nom de tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Dans la cuisine de Maggie officielle, toujours dans l'amour, dans l'ambiance, dans la bonne humeur, la femme de Proverbe 31. Vraiment, mes abonnés, je vous salue. Mes abonnés qui s'abonnent, que Dieu vous bénisse. Tous qui sont abonnés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. On ne se connaît pas, mais on se connaît, on les voit sur YouTube, réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, Maman Timba. Maman Zouzi, Maman Babeta, Maman Céline, Maman Colette, Maman Otonce. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Regardez cette recette et cuisiner, c'est bien pour les enfants. Ils vont bien les manger, ça. Il n'y a pas d'orange à lèvres. Même des arêtes, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Voilà. À bientôt dans la cuisine des Maggie officielle. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.